partie dans le nord. On est dans le sud, pas dans le nord, dans le sud. Eh bien, écoutez, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour ce milieu d'université d'été. Avant de commencer, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs parce qu'on vit des universités d'été qui se déroulent parfaitement bien. Saluer Guillaume qui fait un super boulot, il a bien fait à Angers, il le fait bien à Aix. Et saluer l'ensemble des intervenants qui, depuis hier, planchent sur de nombreux sujets. Remercier les camarades de la Fédération des Bouches-du-Rhône, qu'ils soient de Marseille ou de Aix. Et à vous, Jérémy. Et remercier bien sûr l'ensemble des représentants des forces politiques, syndicales, associations, personnalités qui sont venues, qui vont continuer de venir, et les journalistes présents aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'être là pour ces universités. Ces universités d'été sont devenues un moment important pour notre parti. Elles permettent de réfléchir ensemble, avec d'autres, sur le monde dans lequel nous voulons vivre. Car c'est cette idée-là qui nous rassemble toutes et tous, et bien au-delà de nos rangs, et nous l'avons entendu hier, notamment avec Audrey Pulvar, oui, il y a urgence à sortir du capitalisme. Il y a urgence à bâtir un nouveau modèle de développement, à promouvoir un nouveau projet de société, garantissant à toutes et à tous de vivre dignement, de respirer un air pur dans un monde de progrès et de paix. Oui, nous voulons faire grandir cet espoir, montrer qu'il est possible de produire des richesses autrement qu'en brûlant la planète et en exploitant les êtres humains. Ce projet de société que nous défendons ne peut être que démocratique. Nous voulons le bâtir avec le plus grand nombre de nos concitoyens, avec la jeunesse, avec le monde du travail et de la création, avec les forces vives de notre pays, avec toutes celles et ceux qui voudront partager ce combat pour une vie meilleure. C'est utopique? Nous disons non, c'est essentiel. Rappelez-vous un petit peu les promesses qui nous ont été faites à l'aube de l'an 2000, quand nous avons changé de siècle. Le 21e siècle, nous a-t-on rabâché, devait être celui du progrès, de la prospérité, de la paix. Qu'en est-il aujourd'hui? Le 21e siècle est déjà bien entamé. Nous en avons déjà parcouru un cinquième. Qu'a-t-il réservé aux êtres humains, aux êtres vivants? D'abord, une crise en 2008 qui fut la pire crise depuis 1929. Et tous les ans, de tristes records. Record des inégalités, record de richesses accumulées dans les mains de quelques milliardaires, record de dividendes versés dans le monde et en France, record de catastrophes naturelles, de pics de chaleur, record de ventes d'armes, de conflits, de murs bâtis entre les peuples, de nationalistes au pouvoir, record du nombre de populations déplacées dans le monde. Alors oui, ce siècle est bien loin des promesses faites aux peuples du monde à l'aube de l'an 2000. Et c'est pourquoi nous disons qu'il y a urgence à combattre ces fléaux, urgence à sortir du capitalisme. Ce que nous voulons, nous, les communistes, c'est faire la démonstration du possible, c'est redonner de l'espoir, c'est unir et rassembler les Français et les Françaises autour d'un projet de société plaçant l'être humain et la planète au cœur de tous ses choix. Alors oui, notre projet, c'est aussi de parler positif, d'être offensif pour faire partager cet espoir de changer le monde, de révolutionner et la France et l'Europe. Car il y a urgence. Urgence pour la paix, urgence pour le climat, urgence sociale dans notre pays. L'urgence pour la paix, et je voudrais commencer par cela. Jamais la paix dans le monde n'a été autant fragilisée que ces dernières années. Jamais. C'est pour ça que nous disons qu'il faut révolutionner l'organisation du monde,
pour mettre la paix, la coopération entre les peuples, la solidarité et un développement partagé au cœur de toutes les relations internationales. Et bien sûr, il faut débarrasser l'humanité de l'arme nucléaire. Les relations internationales n'ont jamais été à ce point soumises à des rapports de domination, des bras de fer, des coups de menton, des guerres économiques mortifères pour les peuples, mais vous remarquerez, jamais pour les riches et les multinationales. Regardez ce qu'il se passe depuis quelques années et qui fait l'actualité. Sanctions contre la Chine, sanctions contre la Russie, sanctions contre l'Iran, sanctions contre Cuba et le Venezuela. Devant cette politique de sanctions, de guerre, de chantage menée par les États-Unis, à chaque fois, l'Union européenne ne connaît que deux réactions. Soit elle se tait, soit elle envahit le pas, et la France fait pareil. Menaces d'intervention militaire, occupation, sanctions économiques qui étouffent, écrasent les peuples. Je pense aussi au blocus punitif contre le peuple de Cuba depuis 1962 et pourtant condamné 18 fois par l'Assemblée générale de l'ONU sans qu'aucun président américain n'y change que ce soit. À chaque fois, deux poids, deux mesures en permanence et c'est insupportable. Les sanctions économiques, c'est quand les intérêts stratégiques des Occidentaux ou de je ne sais quelles multinationales sont en cause, mais jamais quand il s'agit de la souveraineté des peuples, de leurs droits et de leur bien-être. Les conséquences en France sont lourdes pour notre économie, pour notre agriculture, pour notre industrie, pour nos relations internationales et pour la paix. Nous sommes devenus un pays suiviste, des logiques atlantistes. Où est la France qui savait faire entendre sa voix, une autre voix non alignée à celle des dirigeants américains? Et franchement, ce n'est pas dans un G7 réunissant les responsables de cette situation, sous bonne escorte de la police, que ces questions vont se régler, loin de là. Nous disons que c'est en mettant autour de la table tous les pays et tous les peuples que nous nous en sortirons. Et cette assemblée des peuples et des nations, c'est l'ONU, dont il est bien temps qu'on en renforce les capacités de prévention, de résolution des conflits et de soutien au développement social et humain. Le rôle de la France est là, indépendante et souveraine, pour faire entendre la voix de la solidarité, de la justice et d'une paix universelle. Et pour que la France soit fidèle à elle-même, indépendante et souveraine, nous disons qu'elle doit donner le signal de la dissolution de l'OTAN en quittant l'OTAN. Et nous demandons aussi, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est l'initiative qu'aurait dû prendre Emmanuel Macron à l'aube de ce G7, c'est que nous appelons à mettre fin à ces guerres économiques, aux politiques de sanctions inefficaces, et nous appelons à la tenue d'une conférence internationale sous l'égide de l'ONU pour définir de nouvelles règles de développement et garantir une paix durable, un nouveau système de sécurité collective, un développement partagé dans le respect des peuples et de leur souveraineté. Voilà l'initiative qu'on attend de la France par les temps qui courent, et garantir un monde de paix et de co-développement, c'est d'abord lutter contre la course à l'armement et c'est sortir de l'arme nucléaire. Et je voudrais là aussi m'arrêter un instant sur cette question. En 2018, comme tous les ans, les ventes d'armes ont progressé dans le monde, atteignant 1 800 milliards de dollars. Franchement, ils peuvent parler de paix, mais s'il y a plus de mitraillettes et de canons vendus dans le monde, comment voulez-vous qu'il y ait moins de conflits et de guerres? La moitié de ces ventes d'armes proviennent des pays de l'OTAN. Dites-moi qui vend des armes, je vous dirai qui veut la guerre. Le monde dispose aujourd'hui d'un arsenal militaire capable de dévaster plusieurs fois la planète. On peut parler d'écologie.
d'ici 2050, mais la planète, elle peut exploser tout de suite. Et c'est bien pour ça que ce combat doit être aussi une priorité. Cet arsenal militaire, c'est de la démence. Et franchement, la dissuasion nucléaire n'a empêché aucun des conflits survenus ces dernières années. Et elle encourage même des pays à se doter de l'arme nucléaire. Voilà le résultat. Et c'est d'ailleurs aussi l'actualité de cette rentrée. Les deux principales puissances nucléaires, les États-Unis et la Russie, ont décidé de se désengager des traités encadrant la production d'armes nucléaires. Ensemble, ils viennent de déchirer le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé entre Gorbatchev et Bush en 1988. Et cette semaine, dimanche dernier, Trump a décidé de reprendre les essais nucléaires et un premier test de missile de moyenne portée a eu lieu sur une île au large de la Californie. C'est une première depuis la guerre froide. C'est un danger pour l'humanité, en plus des dégâts causés par ces essais pour notre planète. Alors oui, le 21 septembre, Journée internationale pour la paix, sera l'occasion pour nous d'exprimer nos craintes et nos espoirs. Mais nous aurons aussi un rendez-vous important, le 26 septembre prochain à l'Assemblée nationale, où nous organisons une conférence internationale sur ce sujet avec Jean-Paul Lecoq, député du Havre, et nous ferons des propositions pour la paix et pour le désarmement nucléaire dans le monde. Garantir un monde de paix. Garantir un monde de paix et de co-développement exige de substituer à la loi du plus fort l'organisation d'un monde où les droits des peuples soient enfin respectés. Et cela se pose aujourd'hui, concrètement, pour de nombreux peuples privés de leurs droits les plus élémentaires. Et je pense notamment en les saluant au peuple palestinien, au peuple turc, au peuple juif. Aborder avec vous pour notre rentrée, voilà une des priorités de notre rentrée, parce que pour nous les communistes, la paix est un projet politique alors que la guerre est un business pour eux. Pour garantir un monde de paix et de co-développement, il faut aussi répondre à l'urgence climatique et écologique, et c'est le deuxième sujet, la deuxième priorité de notre rentrée. C'est, nous le croyons, le second défi de civilisation où nous devons mettre plus en évidence notre projet de société. Notre projet communiste, l'humain et la planète d'abord, comme une alternative crédible au capitalisme. L'alarme a certes été déclenchée par les scientifiques, par des responsables associatifs, syndicaux, politiques dont nous faisons partie, comme par ces millions de jeunes à travers le monde. Le capital, les puissances financières, veulent corriger le tir et tentent d'ailleurs de s'adapter en louant les vertus d'un capitalisme vert, poussant à l'émergence de nouveaux terrains de profit. Mais vert ou pas, c'est bien vers ce monde invivable que nous mène le capitalisme mondialisé. Alors il revient à nous de montrer qu'il est non seulement urgent, mais aussi indispensable de lier l'urgence climatique et l'urgence sociale. La recherche du profit, les paradis fiscaux, la rentabilité immédiate des capitaux ne sont pas compatibles avec la profonde transformation des modes de production, d'échange et de consommation qu'appelle l'urgence climatique. Chacun voit bien que des révolutions sont indispensables, notamment en matière de maîtrise publique, pour sortir sérieusement des énergies carbonées, pour relancer le transport ferroviaire du fret, pour déployer des transports en commun fiables et gratuits, pour changer les pratiques agricoles et alimentaires, pour construire des logements qui ne soient pas des passoires thermiques, pour concevoir un aménagement du territoire favorisant la proximité entre les bassins de vie et les bassins d'emploi. Nous sommes aujourd'hui à mille lieues de ces objectifs avec les politiques libérales.
libérale, celle de l'Union européenne ou celle du libre-échange sans limite comme le CETA ou le Mercosur. Et je comprends, sur le Mercosur et le CETA, je comprends les agriculteurs en colère qui sont allés déverser un peu de purin devant les permanents des parlementaires en marche. Ça fait pas mal de purin. C'est loin d'être une agression terroriste. Ils n'ont pas assez à la faire, ceux qui disent ça. Mais ce gouvernement ne peut pas tenir deux langages là-dessus. Défendre les circuits courts d'un côté, et de l'autre côté, voter des traités de libre-échange avec des pays qui pratiquent l'agriculture intensive à 10 000 km de chez nous. Ça, c'est pas possible. C'est de l'hypocrisie. Nous proposons un autre mode de développement. D'abord, en refusant de signer ces traités de libre-échange. Et à ce sujet, les engagements du président de la République de ne pas ratifier le Mercosur, car il viendrait de découvrir que le président brésilien n'est pas un homme de parole, on va surveiller ça de près. Parce que la forêt amazonienne, entre nous, elle ne brûle pas depuis 2 jours. En 1 an, les départs de feu dans la forêt amazonienne et dans la partie brésilienne ont augmenté de 84%. Alors, quand le père Macron, dans son accord au traité du Mercosur, le 29 juin dernier à Osaka lors du G20, il sait très bien ce qu'il fait et avec qui il le fait. Et donc, ce qu'il nous fait aujourd'hui, c'est de la com. Et nous, on ne tombera pas dans ce piège-là. S'il veut regagner en crédibilité, qu'il commence par ne pas ratifier le CETA. Et c'est ce que nous proposons. Car la bataille contre le CETA, ce n'est pas terminé. Contrairement à ce qui a été dit et contrairement au vote de la majorité En Marche à l'Assemblée nationale. Car le texte va passer à l'automne au Sénat. Les sénateurs communistes et d'autres, et nous espérons une majorité de sénateurs, nous l'appelons, voteront, nous espérons qu'ils voteront contre le projet de traité avec le Canada. Et il reviendra à l'Assemblée nationale, ensuite, en deuxième lecture. C'est pourquoi nous appelons les Français et les agriculteurs à rester mobilisés, avec tous les moyens qu'il faut, et à interpeller tous les parlementaires pour que la France ne ratifie pas ce traité anti-climat. Oui, il est encore possible de gagner contre le CETA, alors restons mobilisés sur ce sujet jusqu'au bout. Et à travers ce sujet, nous disons qu'il est possible de transformer en profondeur nos modes de production et de consommation en France. C'est une révolution économique, écologique, qu'il est urgent de mettre en place. Et elle nécessite pour cela un rôle plus important de l'État et des banques. Car c'est à l'État de définir comment sont produites et redistribuées les richesses, de planifier son économie, de fixer des critères sur l'utilisation de l'argent public avec les citoyens et de fixer les objectifs et le travail du rôle des banques. Le rôle de l'État, le rôle des banques, avec tous ces leviers, nous disons nous qu'il est possible de soutenir les agriculteurs, de soutenir des industriels, des PME et toutes celles et ceux qui veulent investir en France, produire en France des biens de consommation, tout en respectant les hommes et les femmes qui les produisent, mais aussi notre environnement, le climat et nos ressources naturelles. Les richesses que nous créons tous les jours doivent servir à cet objectif uniquement. Et quand le GIEC demande que chaque État engage 6% de son PIB, pour relever le défi climatique, la France n'en consacre aujourd'hui que 1,5. Il en faut 4 fois plus. C'est ça le défi que nous devons relever. C'est pour cela que nous disons
qu'il faut reprendre la main sur les secteurs de l'économie relevant du bien commun et de la souveraineté de la nation, ainsi que sur les grands établissements financiers. Et c'est dans cet esprit que nous demandons un pôle public bancaire à l'échelle de la France permettant de financer cette politique. Et nous demandons la même chose à l'échelle de l'Union européenne avec un fonds européen spécial dédié aux services publics, à la transition écologique, financé par la Banque Centrale Européenne. C'est possible. Et pour le coup, ça, il n'y a pas besoin d'attendre de remettre en cause les traités. On peut le mettre en place maintenant. Au lieu de déverser, comme ils le font en ce moment, des milliards d'euros à taux zéro aux banques, aux marchés financiers, nous préférons prendre la main, prendre le pouvoir sur cette économie, sur cette masse d'argent, pour la rendre aux citoyens et permettre une transition écologique efficace, rapide et même populaire. La France peut aujourd'hui emprunter à taux négatif. Et vous le lisez dans la presse. Les taux négatifs sont proposés par le marché aujourd'hui. C'est-à-dire que quand la France emprunte 1 million d'euros, elle remboursera seulement 960 000 euros. D'après le ministre Darmanin, mon camarade du Nord, ça permettra de dégager 2 milliards d'euros d'économies et d'ici la fin du mandat, 22 milliards d'euros. Mais lui, il dit déjà que cette économie, cette somme d'argent, sera consacrée à la baisse de la dette, à la baisse du déficit. Mais comme je le disais hier avec Audrey Pulvar, quand la dette de la France sera passée de 2300 milliards à 2100 milliards d'euros, mais que la planète brûlera, on sera content. La dette, elle aura baissé. On aura tous des masques pour respirer. C'est pas de ça que nous voulons. Nous demandons que ces prêts à taux négatif, un, ne dépendent plus des marchés, parce que ça, c'est aujourd'hui, parce qu'il y a la crise financière qui arrive, mais demain, ça va remonter. Et deux, nous voulons des taux négatifs qui financent les besoins de notre pays, nos services publics et les investissements pour relever les défis climatiques. C'est possible, ils le font en ce moment. Des millions d'emplois sont à créer. Des centaines de milliers de jeunes et de salariés sont à former en permanence pour appuyer cette révolution des modes de production et redonner par la même occasion un sens au travail de chacun, chacune, dans les entreprises comme dans les services publics. Un exemple concret. Le train des primeurs, le Perpignan-Rungis, dont la suppression, qui va mettre 80 camions de plus sur la route, constitue une aberration économique et écologique. Battons-nous pour son rétablissement. On ne peut pas perdre sur ce terrain-là. Et j'irai d'ailleurs le 28 juin prochain à Perpignan pour rencontrer tous les acteurs de la filière avec Laurent Vin, le secrétaire général de la CGT des cheminots, et faire des propositions au gouvernement. Vous verrez que durant toutes nos interventions, ce ne sont que des propositions. Nous allons faire que des propositions. Nous ne sommes pas un parti d'opposition, nous sommes un parti de proposition. Nous ne ferons que des propositions. Second exemple, aéroport de Paris. Aéroport de Paris, ce n'est pas que pour défendre un service public. Aéroport de Paris, j'en parle dans la partie consacrée aux défis climatiques. Mais Aéroport de Paris, c'est un levier important pour lutter contre le réchauffement climatique. Parce que l'entreprise, sous domaine public, est en capacité de fixer des taxes aéroportuaires en fonction des efforts consentis ou non par les compagnies aériennes en matière de respect de l'environnement. Et c'est les camarades de la CGT d'ADP qui nous l'ont expliqué. C'est ADP qui fixe les taxes aéroportuaires. Si c'est Vinci qui dirige ADP demain, ça sera en fonction de la thune qu'ils vont ramener. C'est tout. Et nous avons engagé, pour cette raison, une grande bataille pour que ADP reste dans le domaine public, avec d'autres. Nous l'avons engagé avec toutes les forces politiques, sociales, syndicales opposées à cette privatisation que le gouvernement espérait imposer à marche forcée. La campagne de signature lancée en juin a rencontré un succès
On est à ce jour à plus de 658 000 signatures recueillies sur le site du ministère. Et bonjour le site. Franchement, pour un président de la République qui se prend pour le président d'une start-up nation, ce site internet n'est même pas digne de Minitel. Signatures recueillies en 3 mois. C'est beaucoup, mais en même temps, ce chiffre montre qu'il faut encore produire du dynamisme et recueillir plus de signatures si nous voulons franchir le cap de 1 million de signatures au plus vite, puisque le président de la République avait dit qu'à partir de 1 million de signatures, il est normal qu'on réponde à la demande de référendum des citoyens. Alors à ceux qui disent, puisque des journalistes m'ont interrogé là-dessus, que le mouvement de signature ralentit, regardez les chiffres, et je les invite à regarder les chiffres, il y a 100 000 personnes, 100 000 de nos concitoyens, qui ont décidé de signer la pétition cet été, durant leurs vacances. Il faut le faire quand même. Et ça a été fait parce qu'il y a eu de nombreuses initiatives qui se sont tenues durant l'été, sur les marchés, sur les plages, dans les sièges de nos sections, de nos fédérations, et c'est aussi grâce à cela que la dynamique s'est poursuivie. Mais il va falloir passer d'un cran au-dessus. Et c'est pour ça que nous proposons de faire de la fête de l'humain un temps fort de cette lutte. Et nous mettrons d'ailleurs à disposition des fédérations et des stands un 4-pages spécial qui permettra de recueillir sur la fête des milliers de signatures, et le stand des parlementaires communistes sur la fête de l'UBA sera aussi totalement dédié à ce combat. À travers ce combat, c'est à travers celui du Perpignan-Rungis aussi, c'est tout notre projet de société pour une autre utilisation des richesses que nous défendons. J'ai parlé de l'urgence pour la paix, j'ai parlé de l'urgence climatique et je voudrais parler maintenant de l'urgence sociale dans notre pays. Comment répondre aux besoins de nos concitoyens sans remettre en question la domination de l'argent et les objectifs de rentabilité à tout craint de la société capitaliste ? Les communistes proposent un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle économique, social, écologique. C'est exigeant, mais c'est aujourd'hui indispensable. Ça pose, comme je le disais, la question de produire autrement, sans exploiter la planète, ses ressources naturelles, mais sans exploiter les femmes et les hommes, et en plus, en les associant aux décisions, aux choix de société, aux choix de redistribution des richesses qu'ils créent. Et franchement, avec ce gouvernement, on est à 10 000 lieues de ces choix-là. Mais nous, c'est à ce projet-là que nous devons travailler, pour le rendre possible, crédible, vivant, concret, auprès de millions de travailleurs, de jeunes, de familles, de retraités. Et j'insiste là-dessus, parce qu'on est très fort pour critiquer les capitalistes. On est très fort pour dire tout ce qui ne va pas. Mais il faut qu'on soit aussi fort aujourd'hui pour faire connaître notre projet de société et redonner de l'espoir. Nous affirmons, nous communistes français, que travailler, se former, vieillir et vivre heureux au pays, en France et en Europe, c'est possible. Mais il faut sortir du système actuel qui ne permettra jamais cet épanouissement humain, jamais cette promesse au bonheur. Et franchement, à mi-mandat, les promesses de Macron et de son gouvernement, elles ont été tenues. Les premiers cordées se sont enrichies. Fortement. Pas nous. Et pour ça, un chiffre. Un chiffre que vous avez peut-être vu cet été, enfin il n'était pas écrit, c'est moi qui ai fait les calculs, pour illustrer les résultats de la politique du gouvernement. Un chiffre.
Les 500 plus grandes fortunes de France, dont le magazine Challenge, nous font ce formidable cadeau de les classer avec leur fortune, et il suffit de comparer si on a conservé la collection des éditions précédentes, ce que j'ai fait. Je les adore. Les 500 plus grandes fortunes de France, les plus riches familles de notre pays, ont vu leur patrimoine passer entre 2017, élection de M. Macron au gouvernement, et 2019. J'ai pris ce temps-là, parce que c'est celui qui me préoccupe le plus. Leur patrimoine aux 500 plus grandes familles est passé de 570 milliards d'euros en 2017 à 700 milliards d'euros en 2019. Calculé, c'est plus 130 milliards d'euros pour 500 familles, c'est plus 22% de progression en 2 ans d'OTAN. Retenez ce chiffre, plus 22% pour les 500 plus grandes familles de France. Eh bien nous n'avons qu'une revendication, c'est plus 22% pour le SMIC et pour les pensions. C'est l'égalité. Et quand on a fait la révolution en 1789, il y a 250 ans tout pile, c'est l'égalité que nous avons demandé à ce moment-là en abattant la monarchie. Et c'est pour ça que nous voulons l'égalité pour tous. Il n'y a pas de raison que eux, ils se prennent 22% et que nous, on ait encore un cran de plus à se rajouter à la ceinture. Eh bien, cette revendication-là, nous allons continuer de la porter. Parce que la défense du pouvoir d'achat, la défense du pouvoir d'achat des salaires, des pensions, c'est une priorité pour notre parti. Et l'autre priorité qui va aller de pair avec, c'est l'éradication du chômage et de la pauvreté dans notre pays. Disons-le que c'est possible d'avoir l'objectif d'éradiquer le chômage et la pauvreté. C'est un objectif politique, un objectif de civilisation. C'est la grandeur de la France de pouvoir sortir toutes ces personnes qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté ou qui subissent le chômage, qu'il soit partiel ou total. 9 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté, dont des salariés, des étudiants, des retraités ayant travaillé toute leur vie. 5 millions de nos concitoyens souffrent du chômage. Parlons de la réalité de ces chiffres, de tous ceux qui sont radiés, de ceux qui sont précarisés, ubérisés et qui sortent des chiffres de Pôle emploi. La réalité de notre pays, c'est que le chômage de masse existe toujours et que la précarité de l'emploi se développe comme jamais. Parlons de la vie de ces femmes qui sont principalement touchées par la précarité, par le temps partiel subi et donc par des bas salaires et des petites retraites. Et c'est inacceptable au 21e siècle dans notre pays. Au monde du travail, aux salariés, aux sans-emploi, que la société capitaliste aura toujours besoin d'un taux de chômage élevé pour faire pression sur les salariés, leur pouvoir d'achat et leurs conditions de travail. Et pour le coup, là, les chiffres sont terribles, parce que la pression sur les salariés, ça signifie quoi? C'est 57 suicides en un an chez les cheminots. C'est un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. C'est 565 salariés morts sur leur lieu de travail l'année dernière. C'est ça la réalité du monde du travail aujourd'hui dans notre pays et de l'exploitation des femmes et des hommes. C'est pour cela que nous devons, que nous voulons plus de pouvoir d'intervention pour les salariés dans les entreprises et garantir une sécurité de l'emploi pour toutes et pour tous, avec un revenu garanti et permettant de vivre dignement. Et c'est possible. Et nous allons travailler à sortir des chiffres précis des créations d'emplois que nous devons faire, dont nous avons besoin dans notre pays. Regardez tous les besoins à pourvoir dans nos services publics, dans nos hôpitaux, dans nos
comme l'envisage le gouvernement, nous préférons redonner, nous, des moyens humains à l'État, à nos collectivités, à nos hôpitaux. Pour nous, les communistes, les services publics ne sont pas d'abord des coûts. Ce sont des leviers indispensables pour qu'une société digne de ce nom garantisse à tous l'égalité comme la réponse à tous les besoins humains, quelle que soit sa condition. Et je tiens d'ailleurs à saluer particulièrement la lutte des personnels soignants des urgences qui sont restés mobilisés durant tout l'été. On ouvre des supermarchés la nuit, des casinos, des super-U, mais on ferme des services d'urgence dans les hôpitaux publics la nuit. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est un truc de malade, c'est impensable. Celui qui viendrait d'une autre planète, qui arriverait en France, qui verrait ça, il dit, mais ils sont ma boule. Ils essaient de faire des services d'urgence et ils ouvrent des magasins pour consommer plus la nuit. Alors oui, nous sommes pleinement aux côtés des personnels soignants. Nous ferons cette proposition de loi que nous travaillons avec eux depuis le Tour de France que nous avons entamé avec l'ensemble des sénateurs et des députés communistes depuis un an. Et nous porterons cette exigence de redonner des moyens humains et financiers à nos hôpitaux publics et surtout de sortir des logiques comptables qui n'ont rien à faire en parlant en matière de santé publique. Et d'ailleurs, non seulement nous prétendons que nos services publics ne doivent pas être affaiblis plus encore, mais nous revendiquons avec force leur développement, leur expansion et la profonde transformation de leur gestion pour y associer et les usagers, et les salariés, et les citoyens. Des gisements d'emploi, et il y en a partout. J'ai parlé des services publics. Que ce soit dans le public et dans le privé, des gisements d'emploi, il y en a. D'abord en réduisant le temps de travail, sans baisser les salaires et en améliorant les conditions de travail. Ça a toujours été le sens du progrès, depuis toujours. Oui, nous voulons travailler mieux et faire du temps de travail un temps d'émancipation humaine et pas forcément un temps d'exploitation. Et aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Je pense notamment à toutes celles et ceux qui travaillent à la chaîne et qui subissent des cadences insupportables, digne des grands films de Charlie Chaplin et des temps modernes. C'est ça encore qui existe aujourd'hui dans notre pays. C'est pareil pour les 250 000 auto-entrepreneurs de Uber, Deliveroo et autres plateformes, tenus de travailler 40 à 50 heures par semaine pour espérer gagner un revenu décent. Et encore, pas de congés payés, pas de cotisation maladie ou de retraite. C'est l'esclavage du 21e siècle qu'ils sont en train de remettre en place. C'est le travail à la tâche. Et on va travailler sur cette question-là avec un texte de loi sur lequel travaille Pascal Savoldelli, mais si on n'arrête pas ce qu'ils sont en train de faire, les contrats Uber, auto-entrepreneurs, ils vont le développer, le proposer à tout le monde du travail. Un ouvrier qui sera embauché chez Renault va lui demander d'être sous contrat auto-entrepreneur. Être tranquille, hein, pour plus de coquilles, plus de sécu, plus de congés payés, un vivier de chômeurs, et tous les matins on les embauche. Hein. Ils n'ont rien inventé, hein. C'était comme ça dans les mines et dans les usines il y a un siècle. Ils vont revenir à ça. Nous disons que nous voulons un vrai contrat de travail, un vrai salaire, une vraie protection sociale. C'est le combat qu'on doit porter. Et nous disons aussi qu'il y a des gisements d'emploi importants, dans l'industrie par exemple. La France devrait se fixer l'objectif de produire ici, dans notre pays, une grande part de tout ce que nous importons de partout dans le monde. Et l'objectif que nous fixons, c'est de reconquérir 1 million d'emplois industriels. Voilà l'objectif ambitieux. Yeah.
General Electric, Ford Blancfort, Arjot Leggings et autant d'autres symboles de désindustrialisation en cours. Inversons la tendance. Planifions la reconquête industrielle de la France. Défendons notre indépendance dans des secteurs stratégiques comme l'énergie et préservons tous ces savoir-faire qui existent encore dans notre pays, quand tant d'autres ont été délocalisés à l'étranger et dans les pays à bas coût. C'est aussi comme cela, en ayant cet objectif ambitieux pour notre industrie, de reconquête industrielle, que nous soutiendrons toutes les PME et les millions d'emplois qui en dépendent. Oui, le PCF défend toutes ces PME, toutes ces petites entreprises dont les commandes sont intimement liées au bon pouvoir des grandes multinationales, mais aussi des banques. C'est pour toutes ces raisons que nous contestons cette Europe libérale et que nous voulons donner des critères au versement des aides publiques aux entreprises, au crédit, car l'argent des banques, de la Banque Centrale Européenne, de l'État, cet argent-là, doit être conditionné à la création d'emplois, à l'investissement productif, à la formation, et il ne doit surtout pas soutenir les délocalisations, les inégalités salariales femmes-hommes, les bas salaires, les contrats précaires et la pollution. Et c'est pourtant ce qu'ils font en ce moment. D'ailleurs, le gouvernement cherche à équilibrer son budget en 2020. Il nous parle de baisser la dépense publique. On a des propositions à lui faire dans ce domaine, pas celles qu'il envisage lui. Nous lui proposons, nous, de faire des économies en supprimant les CICE, crédit impôt recherche et autres niches fiscales qu'il donne aujourd'hui à des entreprises, des multinationales du luxe ou d'ailleurs, qui ne respectent aucune de ces règles alimentaires, qui pillent, qui polluent et qui distribuent des dividendes à gogo. Les trois plus grandes fortunes de France sont les PDG de Vuitton, Chanel et L'Oréal. Et leur fortune explose d'année en année. Tous les ans, à coups de dizaines de milliards d'euros. Et l'État, nous, on leur verse de l'argent public. On leur donne des subventions. C'est notre argent. C'est nos impôts. C'est insupportable. On doit déposer un texte de loi pour dire il faut arrêter de verser de l'argent public à ces industries du luxe qui versent des dividendes tous les ans ou qui délocalisent leurs activités. C'est concret et c'est clair, ça. Et je ne vois pas qui s'y opposerait quand même. À part En Marche. C'est pourquoi nous défendons, nous, une politique fiscale plus juste, sélective, qui permettra aussi de financer nos services publics, nos communes, nos collectivités. Nous proposons de restaurer l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça reste d'actualité. Entre nous, l'impôt de solidarité sur la fortune, quand j'y repense, c'est 3,5 milliards qu'on leur a fait de cadeau et les 500 plus grandes familles ont gagné 130 milliards. Enfin, voyez un peu. On pourrait l'augmenter, il n'était même pas assez bas. Non mais c'est vrai, il n'était même pas assez bas. Nous proposons de restaurer l'ISF et de l'augmenter. De taxer les dividendes et les revenus financiers au même niveau que nos salaires. Il n'y a pas de raison. De lutter avec force et dissuasion contre les fraudeurs fiscaux et de taxer à la source les bénéfices des multinationales avant qu'ils aillent planquer dans ces paradis fiscaux. Et ces choix, ces propositions, nous voulons les faire partager au plus grand nombre avec les salariés pour montrer que d'autres choix sont possibles. Il faut redonner de l'espoir et montrer que c'est possible. Et sur toutes ces questions, les forces de gauche auront la responsabilité de montrer qu'elles sont capables de construire avec les Français un projet qui remet en cause le capitalisme dont tout le monde dit qu'il est aujourd'hui à bout de souffle. Et je ferai en ce sens des propositions concrètes lors du meeting de la fête de l'UMA qui, pour la première fois, ce meeting sur la grande scène se tiendra le samedi à 15h30 et non le dimanche. Alors je vous invite à le faire savoir et à venir nombreux pour donner du poids à notre force, à nos combats, parce que si vous venez dimanche, voilà.
Et nous ferons des propositions aux forces de gauche que je rencontre et que nous continuerons de rencontrer dans les semaines qui viennent, pour montrer qu'il est possible de bâtir un projet authentique, sincèrement en gauche. Mais comme je l'ai dit hier, il ne faudra pas venir nous parler de la dette, de déficit public, de traités européens qui nous empêcheraient de faire ci ou de faire ça. Parce que là, on n'avancera pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'union pour l'union. C'est l'union pour quoi et pour qui. Et c'est ça qu'on veut porter. C'est que ça change vraiment. Menés par les forces de l'argent et par leurs relais politiques. Et dans les relais politiques, franchement, ce gouvernement, qui est soutenu par moins d'un tiers des Français, pour le dire quand même, communique beaucoup, mais en même temps, il agite aussi beaucoup le bâton pour réprimer toutes les manifestations de colère. Les gilets jaunes, les militants syndicaux, politiques, ceux qui se rassemblent en ce moment pour un contre-G7 le savent bien. Ce gouvernement s'affirme ainsi toujours plus comme un gouvernement de répression, en travaillant à rassembler autour de lui les classes possédantes et rien d'autre. Et il ne lésine sur aucun moyen pour brider les mouvements sociaux, dévoyer les politiques de maintien de l'ordre républicain quand il organise la multiplication de violences à l'égard des manifestants, de syndicalistes, de jeunes de banlieue, ou encore de jeunes festivaliers comme ce jeune Steve retrouvé mort dans la Loire. Eh bien, nous préférons autre chose pour les forces de l'ordre. Nous préférons voir les forces de l'ordre et ceux de la justice s'attaquer aux violences faites aux femmes. 94 féminicides. C'est pas avec un grenelle dans les salons de Matignon qu'on va régler ce problème. Franchement, ce qu'il nous faut, c'est des moyens financiers et humains pour protéger ces femmes, pour faire tout simplement respecter la loi et les protéger dès la première alerte, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis bien sûr, je finirai là-dessus, le sujet fort de la rentrée et des mois qui viennent, c'est les retraites. Et nous voulons être une force de proposition sur ce sujet. Nous voulons être utiles en montrant qu'il est possible de mettre en œuvre une réforme des retraites ambitieuse, progressiste, humaine. C'est un des enjeux de la rentrée, car nous n'acceptons pas le projet du gouvernement qui menace non seulement de faire reculer l'âge de la retraite pour des millions de salariés, de baisser les pensions, déjà exemptes, et surtout d'asphyxier le système par répartition, seul à même de garantir une vraie solidarité entre les salariés et les générations. Face à ce projet, fondé sur la volonté de transférer progressivement nos retraites vers des fonds de pension. Et d'ailleurs, quand ils disent qu'ils vont supprimer les 42 régimes spéciaux, à côté, ils vont créer autant d'assurances privées qui vont proposer des retraites complémentaires privées pour compenser ce que l'on perd des autres. C'est rien d'autre que ça. C'est un transfert vers le privé. Alors, déjà, premier rendez-vous, nous appelons au rassemblement à l'appel de la CGT et de Sud le 24 septembre prochain. Et il sera important d'être nombreux dans ce gouvernement. Et en même temps, nous défendrons une véritable réforme progressiste de la retraite avec de nouveaux droits pour les salariés. Et nous proposerons, nous, un retour de l'âge légal à 60 ans et une augmentation des pensions dont le temps sera garanti. À travers ce projet de loi, à travers ce projet de réforme que nous mettrons en avant, nous voulons mener le débat sur une conception nouvelle de cette phase de la vie après le travail salarié qui doit être envisagée comme une nouvelle étape de l'épanouissement humain et du rapport entre les retraités et l'ensemble de la société.
Vieillir, allonger la durée de vie, c'est vécu par eux comme un problème qui coûte. Pour nous, c'est un progrès. Et nous voulons relever ce défi du progrès. Il nous faut promouvoir une sécurité sociale du 21e siècle, prolongeant l'œuvre d'Ambroise Croizat, afin de sécuriser chacun de nos citoyens. Et dans ce contre-projet que nous défendrons, nous montrerons qu'il est possible de financer une telle réforme à 60 ans avec une retraite digne et garantie. C'est possible de financer une telle réforme et d'augmenter la part du PIB consacrée aux retraites qui est aujourd'hui plafonnée par ce gouvernement à 14% alors qu'il faudrait le porter à 17% du PIB. Car c'est indispensable pour garantir une retraite digne pour toutes et pour tous. Nous expliquerons par exemple comment les revenus financiers et les dividendes, qui sont moins taxés depuis l'arrivée du gouvernement Macron, doivent au contraire cotiser plus, mais cotiser tout simplement comme les salaires. De la même manière, l'égalité salariale femmes-hommes, autre exemple, si on la rendait effective, contraignante, elle rapporterait 5,5 milliards d'euros de cotisations. C'est ça la réalité. Des retraites comme l'ensemble des ruptures à opérer pour transformer radicalement la société seront au cœur des débats que nous voulons conduire avec l'ensemble des forces de gauche comme avec les forces syndicales. Et comme je l'ai souligné au sortir de la campagne des européennes, on ne pourra pas briser le duo funèbre de Macron et de Le Pen seulement par des appels rituels au rassemblement. Il faut maintenant du solide et du concret. Nous voulons travailler à faire émerger un débouché politique, un espoir de changement sur la base d'un projet permettant de changer concrètement la vie des gens et de relever les grands défis du XXIe siècle. Rien ne serait pire que de laisser le monarque élyséen jouer les apprentis sorciers en faisant de l'extrême droite la seule alternative à sa politique. Et aux dernières élections européennes, on a vu le résultat de cette stratégie aventurière. Alors, nous, tout de suite, nous voulons être utiles. Nous voulons construire une dynamique porteuse d'espoir, une nouvelle union populaire, un front populaire du XXIe siècle, avec les Françaises et les Français qui fassent converger toutes les forces disponibles. Et c'est pour y contribuer que nous avons, en juin dernier, lancé un appel aux hommes et aux femmes soucieux de changer le destin de la France, aux forces de gauche et écologistes, aux organisations syndicales, aux collectifs de citoyens. Et c'est dans le même esprit que nous avions, dès le mois de mars d'ailleurs, mis en débat nos 10 propositions sur la France. Cet appel en direction de nos concitoyens doit s'accompagner d'une intervention populaire plus importante, à la hauteur du défi. Et cela vaut notamment pour les élections municipales à venir, ou partout. Nous proposerons de construire des majorités sur des projets ancrés dans la réalité et capables d'améliorer la vie de nos concitoyens concrètement. Des projets capables aussi de battre la droite et l'extrême droite et de repousser leur politique. On sait le point d'appui que représentent les municipalités de gauche écologiste à direction communiste. Et c'est pourquoi nous faisons de leur réélection un enjeu majeur de notre campagne de mars prochain. De la même manière que nos concitoyens et concitoyennes doivent pouvoir compter sur un plus gros nombre d'élus communistes partout en France et en particulier dans les conseils métropolitains où se prennent de plus en plus de décisions stratégiques pour les territoires. Ces élections sont importantes, pas seulement pour le Parti communiste français, mais justement pour offrir un débouché politique et montrer qu'il est possible de construire des rassemblements larges avec nos concitoyens, nos concitoyennes, dans toutes les communes de France. Et quand je suis interrogé dans les médias qu'à chaque fois on me parle des alliances avec les forces politiques, ou de Paris, salut Yann, franchement, je leur dis enfin, Paris c'est pas la France. Et les alliances avec les forces politiques, les alliances avec les forces politiques, il y a 36 000 communes en France, dont 35 000 avec moins de 5 000 habitants.
Mais c'est ça la France. C'est d'abord 35 000 communes de moins de 5 000 habitants où nous, les communistes, nous sommes aussi présents et où nous allons construire avec les gens, avec les citoyens, des projets qui vont rassembler des gens sans étiquette ou avec des étiquettes, mais pour eux et avec eux. C'est ça notre projet. Je vous remercie.